Là, il flotte par terre. Attention au trou. Si tu arrives à l'éclairer en backup, ça serait cool. Merci. Donc là, je mets l'échelle. Ah, on a une porte blindée. Je dirais un accès aux tourelles, ça serait cool. Deuxième sens, porte blindée. Avec le carme pour pouvoir mitrailler les bords surtout. Donc là, je pense qu'on va enchaîner sur une des tourelles. Oh, ça grimpe bien. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, tiens, je grimpe quasiment en visu. On va ramener ça. Je vais me foutre un coup dans la gueule du cam. Il n'a pas trouvé. Désolé les gars, pour la vue, je vais grimper comme ça. Ça me permet de bloquer avec mon bras. Sinon, j'ai plus de main et c'est tendu. Bien qu'il y ait un monsieur, j'ai vu sur les vidéos, sur YouTube, un monsieur qui n'a qu'un bras et qui l'a fait. Donc, respect pour ce monsieur. S'il voit la vidéo, chapeau. Franchement, chapeau. Parce que moi, j'y arrive pas. Alors, deuxième coup dans la gueule du cam. Je l'ai baptisé là. Poursuivre. Voilà, là, petit électrique, et je pense que là, ça s'enchaîne sur la dernière tourelle, si je ne dis pas de bêtises. Alors, donc là, c'est bizarre. Alors, il y a ces boîtiers, je ne sais pas ce que c'est. Chaque fois, il y a ces boîtiers, je ne sais pas ce que ça pompe, il y a des pompes manuelles. Bon, là, ce n'est même pas la peine d'essayer. Celle-ci, elle est bloquée. La graisse, c'est fou parce que cette graisse, je sais pas ce que c'était, mais elle doit être bien cancérigène par contre, parce qu'elle tient bien. Et donc, ouais, là, je crois qu'on est sur la dernière tourelle. Celle-là, je crois que je vais y aller parce que je vois que le siège est carrément en état. Il y a des inscriptions, l'échelle simple stretch, donc on va enlever le sac. Là, je vais pas passer, c'est clair. Tu me tiens. Allez, on va grimper. Donc là c'est vachement étroit, je suis content d'avoir perdu un peu de poids parce que je ne serais pas passé là il y a quelques temps. Je vais me taper la tronche, ça fait très mal. On est le calme. Bon, désolé les gars, j'ai besoin de mes deux bras là pour m'extraire. Donc là si on voit différence de qualité visuelle et différence de son aussi parce que c'est pas les mêmes appareils. Donc là du coup, reste pas en dessous. Hein. J'ai toujours ce fauteuil donc il est amovible. Ah ben là, il y a un reste du canon. Si c'était un canon en fait, hein, je sais pas, je viens de vous dire. C'est bizarre. Donc ça me donne un peu plus d'idées sur ce que c'était par rapport à l'autre. Donc la manivelle fonctionne, bon, on va pas tenter le diable, hein. Je veux pas rester coincé ici. On va monter là-dessus. Alors, ouais, vu le diamètre, je pense que c'est un canon comme il est en bas. Donc là, c'est la vue extérieure. Ah non, je sais pas si vous avez entendu, donc c'est la vue extérieure en fait. Alors, pareil, est-ce que ça tournait? Je sais pas si... Si la tourelle en elle-même était articulée, ça je peux pas vous dire, si vous le savez, si vous avez ces notions, si vous intéressez au militaire et que vous connaissez, dites-moi s'il vous plaît. Ça m'intrigue parce que si on a un petit canon là comme ça, à moins que je vois que là c'est conique, il devait peut-être y avoir une boule qui bougeait comme ça en fait. Mais ça limitait l'angle de tir en fait. Bon là, c'était stratégique. Hein. J'essaie de vous caler le pied. Voilà, ça c'était le point de défense qu'il y avait. Bon, on va redescendre, hein. Je pense qu'on a terminé, à moins qu'on trouve autre chose, on va voir. On va continuer dans tous les cas. Il nous reste un côté, donc ça va être le côté gauche, on est parti du côté droit. Donc on va redescendre. Bon voilà, là ça va être chaud patate. Bon, bien sûr, je vais couper.
Donc en se retrouvant en charge, donc là il y a des machines, je ne sais pas si c'est la machine en charge puisqu'il y en a en haut aussi. Toujours ces rails. Wow. Alors là c'est monstrueux. Alors, je ne sais pas si c'était déchambré, certainement. Il y a un écho. Donc là, une petite pièce sans plus. Pareil. Voilà, s'il n'y a pas trop d'intérêt, des lieux de stockage. Bon, la même petite vaisselle que tout à l'heure. Et pareil. On sera maintenant par ici. Donc je pense qu'on va poursuivre sur le côté gauche. Là, on va aller plus côté droit. Maintenant on va aller de l'autre côté, attention trou, hein. On va aller de l'autre côté. Et je pense, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que l'autre côté, c'est la galerie qui n'a pas été terminée. Attention trou, Ferbéo. Donc nous, on est venu par là. Hop là, attention, tu vois, 2 minutes de distraction, c'est comme ça que ça arrive. Attention, attention là. Donc là, ah ouais, balèze, éclaire-moi s'il te plaît. On va en fin de batterie. Donc là, c'est déchambré. J'ai 3 rangées de lits. Ça résonne. L'autre côté, pareil, avec un peu moins de lits. Mais c'est fou qu'il y ait encore le lit. Des tables. Donc voilà, je pense que c'était le casernement. Alors l'équipage. Et là, plus rien. Donc, l'écoulement d'eau. Certainement pour l'écoulement d'eau roche, hein, parce que c'est creusé dans la montagne. Donc, j'espère que ça nous vient de là-bas. Hein. Voilà, on vient de là. Flèche rouge. Donc là. Ah voilà, c'est les citernes qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça vient jusqu'à là. Donc ça pour moi c'est l'eau potable. Parce que le chou, c'est un peu plus. Oui, il doit peut-être y avoir les deux. Alors là. Bon, c'est des urines noires. Attention trou. Et là, on retrouve. Il y a des brides. Une canalisation, je ne sais pas de quoi, mais apparemment ça n'a pas été terminé là. Donc on est peut-être sur la galerie qui n'a pas été finie. Attention, on pense au pied. Donc ça s'arrête ici. Alors pareil, les chambrées. Voilà. Un extraordinaire, c'est comme les autres. On voit à peu près la capacité en homme. Vous avez la faute pioncée là-dedans. Bon, c'était éclairé, bien sûr. C'était éclairé, hein, mais ça peut être plus trop fort. Donc on vient là-bas, flèche rouge, ok. D'abord, je prends souvent mes repères, hein, parce que j'ai pas envie de me perdre. Donc là, par contre, d'accord. Donc les risques d'éboulement, c'est peut-être là-dedans. Là, c'est la galerie qui n'a pas été terminée. Pouvoir que ce soit stable à ce niveau là. Alors, si c'est dangereux, on fait machine arrière les gars. Oh là, ça a vibré là. C'est monstrueux. Donc là voilà, on voit, c'est bien avec l'éclairage, ça
pas été terminé en fait. Donc c'est un mur au fond. Et là-bas, pareil, c'est muré. Là, il y a des rondins de bois. Hop là, attention, ça glisse. Des rondins de bois monstrueux. Et ça, je pense que c'est les étés avec lesquels ils ont fait le. Vous voyez là, la voûte. Et c'est stalagmite ou stalactite, je sais jamais, vous voyez, qui se forme. Et là, on voit pas très bien. Voilà. Donc c'est des bois voûtés en fait. Hein. Je pense que c'est les gabarits. Enfin, ça doit être les étés pour ces voûtes. Il y en a plusieurs. Ouais, ils sont posés. Donc, ouais, bien que le travail n'a pas été terminé. Le marchepied au milieu, ça s'effondre apparemment. Parce qu'il y a une alerte à l'entrée. On prévient un risque d'éboulement, de chute de pierre. Donc voilà. Ça n'a pas été terminé. Attention, on ne bouge pas, retoucher. On va pas aller plus loin de toute façon. Ouais. Oh oui, carrément, là où c'est du bois. Bon, la galerie se termine là-bas, donc on va faire machine arrière pour ce côté. Tiens, les terres, il tient bien au sol, vraiment lourd. Parce que là, tu as eu. Alors, juste, j'explique à mon binôme. Vous voyez, ça s'affaisse là, je sais pas si on voit bien. Et donc je sais pas s'il y a un sous-sol ou quoi, on va pas prendre de risque. Le bois est pourri, donc marche sur les côtés plutôt. Parce que si c'était un bois pour te protéger d'un trou, vu la gueule du bois, il vaut mieux pas marcher dessus quoi. C'est là que ça a vibré tout à l'heure. Donc j'ai passé. Voilà. On était là, la flèche rouge. On y est allé là-bas, oui. Donc il nous reste là. Ah, attention au trou. Donc là on s'en fout dans le froid parce que là ça commence à cailler. C'est plus frais que l'autre côté. Donc quand on sort, à droite pour continuer. Je vais m'approcher pour suffisamment. Entendu, je sais pas si vous avez entendu le bruit de tôle, ça a vibré dans tout le fort. Donc là, une porte section blindée, donc ça protège certainement qu'un manche, je présume. Tiens, tu m'éclaires. Je vais essayer d'aller voir si c'est valable. Tiens, si ça vaut le coup ou pas. Si ça vaut le coup, je redescendrai et je prendrai la cam. On va voir vite fait parce que là, je vais grimper plus vite avec deux mains. Alors, ça va sur deux tourelles. Bon, c'est des tourelles comme on a fait, en bas. Je vais pas vous embêter avec ça, ces deux petites tourelles qu'on a fait là-bas. Bon. Je vais pas vous faire perdre un quart d'heure de vidéo. Là par contre c'est bon ce que vous voyez. Ça avance. Là, on a une chambre. Une chambrée. On flotte la lampe, parce que j'ai l'impression qu'on voit rien sur le. Attention au poulain. Donc là, sacrée porte, c'est là. Elle a pris dans la gueule, hein, les charnières sont éclatées, donc je sais pas si c'est dû au temps ou si elles sont fait prendre d'assaut. Donc ben ça c'est en fait de sécurité, deuxième porte blindée avec la vue. Et là par contre, donc là les bandes rouges, je trouve que ouais. Quand il y a ça, c'est que faut pas y aller généralement. Ça vient sûrement s'ébouler. Attention là, c'est la flotte. Le sable. Donc ça donne sur l'autre côté. Et en fait, on est arrivé en bout.
On est arrivé en bout. Donc là, on a bouclé. On a bouclé, donc c'était le fort de Restefond. Très plaisant, parce que il est énorme en surface. Il est énorme. Il y a plus grand, bien sûr, mais celui-là, il est énorme. Et surtout, c'est un gros ouvrage. C'est les cuves, donc je crois qu'on s'est rapproché de la sortie. Attention au trou, on ne fait pas comme moi tout à l'heure. Voilà, bon, mais écoutez, on l'a bouclé. On l'a bouclé. Bon, ben, je suis content de revoir, je vous avoue, la lumière du jour. C'est surtout pour prendre une bouffée de soleil, parce que là, j'ai les doigts, je ne les sens plus. Ça va, on est en août, mais pour vous dire, on est en août, et là, je sais pas, il doit faire, allez, je dirais 5-6 degrés quand même. Donc nous, on est en short et en t-shirt, donc ça va être chaud patate. Voilà. Bon, ben, sur ce, les amis, on va boucler cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.